Enfin, la pose de l'asphalte sur la voirie de Manono a commencé. Les travaux de réhabilitation de la voirie de cette cité entrent ainsi dans la phase la plus visible. Près de 4 km situés en plein cœur de Manono sont ainsi concernés. Il s'agit de l'avenue Sendwe qui va du guest house de la Cominière, passant devant la cathédrale Sainte-Barbe et le bureau administratif du territoire, des avenues des Plaines et Kimberley qui vont vers la cité. Un grand travail de préparation de l'ensemble de ces avenues a été réalisé bien avant. Il a notamment été question de la construction des assainissements et de l'installation des bordures sur l'ensemble du linéaire. En mission de service à Manono, le chef d'antenne de l'Agence congolaise des grands travaux au Grand Katanga, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITPR sur ce projet, a assisté à la mise en œuvre de la couche de base en grave concassée ainsi qu'à la mise en œuvre de l'enduit monocouche. Il est heureux de cette réalisation. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à la population de Manono et celle de la province du Tanganyika en général, que voilà, nous avons fini tous les travaux de la couche de base. Et depuis ce matin, on a commencé l'imprégnation justement pour revêtir la route avec la bicouche. D'ici 2 semaines et demie, toute la voirie de Manono sera complétée. Ce rêve qui devient une réalité a été salué par la population de Manono, venue en nombre assister à ce mouvement des engins. Cet homme dit, nos frères chinois viennent de transformer la cité de Manono avec ce travail. Nous n'y croyons pas avant, mais aujourd'hui, le 10 octobre, ils ont commencé avec la pose de l'asphalte. À noter que ces travaux sont financés par le programme sino-congolais.